C'est pas vrai. Je te le jure, Isabelle. Il a failli arriver en retard à la game de hockey parce qu'il voulait absolument finir la salle de bain de Constantin. François, chez le docteur Constantin. Oui, madame. J'en reviens pas. Ben, moi non plus. Puis tous les deux ont l'air bien contents de leur affaire, là. Si François est devenu ami avec Constantin, là, c'est toi qui vas payer. Tu pourras plus y faire confiance. Ton meilleur ami avec ton boss. Ben voyons donc, Isabelle, là. François, il est pas épais. Il a réussi à obtenir exactement ce qu'il voulait de lui, puis c'est tout. Ouais, moi, je pense que tu prêtes trop d'intelligence à François. Ben, moi, je pense que tu le sous-estimes. Tu serais étonné. Ah ouais? À ta place, je me méfierais. François puis Constantin, là, sont faits pour aller ensemble. Ils ont le même manque de respect pour les sentiments des autres, le même complexe de supériorité, puis la même personnalité de bulldozer mégalomane. Ils ont beaucoup de points en commun. Pas du tout, Isabelle. Puis moi, là, je serais jamais ami avec un gars comme Constantin. Je joue même pas au hockey. Farce. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Assieds-toi, c'est prêt. Yes. Tu devrais venir coucher chez moi plus souvent. Antoine serait pas obligé d'aller coucher ailleurs. Oh, inquiète-toi pas pour lui, je le mets pas à porte. Puis il manque pas d'occasion, lui, de se retrouver avec André. Ah, tu devrais quand même venir coucher chez moi plus souvent. Je veux pas te faire de peine, là, mais c'est laid pour mourir chez vous. C'est petit, c'est triste, ça me déprime. Puis je suis mal à l'aise. Mal à l'aise? Ouais. Pourquoi? Parce que... Ah, well, that's clear. C'est peut-être mon français qui est pas assez bon, mais je ne comprends pas. C'est parce que quand je suis chez toi, là, t'es pris avec moi. Je sais jamais si ça fait ton affaire que je sois là ou si t'aimerais mieux que je parte. Tu perds ton temps à te poser des questions aussi stupides quand on a la chance d'être ensemble? I want to be with you, Maurice, as much as I can. Moi aussi. Et mes questions, elles sont pas stupides. Tes questions sont stupides. Mais tes crêpes sont délicieuses. Non. Tu vois, ça donne rien que j'aille coucher chez toi. T'as même pas de poids à la crêpe. Oh, si c'est tout ce qui te manque. Non. J'aime ça parce que je t'ai complètement à ma merci. Merci? Oui, ça veut dire à mon pouvoir. Oh, j'adore. Ah ouais? Mm-hmm. Mais fais attention à toi, hein, parce que je pourrais en profiter, moi. Je pourrais t'attacher, là, puis te faire plein de choses. Je suis rassuré. Maintenant que tu as un jeune étudiant qui te fait de l'œil, j'avais peur que tu ne veuilles plus de moi. Arrête, j'avais réussi à l'oublier, lui. Il continue à te faire des avances? Je donne pas d'occasion, mais il est tout en train de me regarder. J'ai l'impression qu'il me déshabille du regard tout le long de mes cours. Voudrais-tu que je lui parle? Non. Non, non. Je veux dire, il a l'air de s'être calmé, là, puis si jamais il exagère, je vais m'en occuper, hein. T'es une grande fille. Ça, je le sais. T'es sûr que tu veux faire ça? T'es pas obligé. Non, je le sais, voyons. Peut-être que ça va être drôle. J'ai jamais fait ça, moi, du cinéma. Hey, Nathalie, c'est pas une comédie qu'elle tourne. Avec elle, tu finis toujours par être un drame. Oh, franchement, Julien, voyons. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Elle me pose des questions, je réponds, puis c'est tout. Le pire qui peut arriver, c'est que son film soit plate pour mourir. Non, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle te fasse encore de la peine. À part ça, t'as un petit rhume, toi. Moi, un petit peu. T'es fin de t'inquiéter, mais fais-toi ça pas. Regarde. Si ces questions n'ont pas d'allure, je réponds pas. C'est tout. Mais là, il faut que je me fasse un maquillage spécial, parce que je suis pas habituée de passer à la caméra. Oh, Gabrielle, allons on a vu non, plein non, de non, maquillage non, de non, 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 je tatoue, je l'amènerai pas à ça, moi. Oh, oh c'est vrai, t'as raison. Oh, c'est dommage quand même qu'elle veuille rien savoir de sa sœur. Ils ont plein de points en commun, regarde. Le cinéma, la photo. Tu viendras pas me dire que ça se ressemble pas comme choix de carrière, ça. J'ai pas dit que Nathalie va faire carrière en cinéma. Elle fait seulement sa première session. Là, tu voudrais tellement trouver de ressemblance entre tes deux filles que tu trouverais des ressemblances entre un orignal et un éléphant. C'est deux herbivores. Tu ne prendras jamais à cogner avant d'entrer, toi, hein? Salut. Ça va? Très bien. Good, 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 good. Ah, moi aussi, ça va très, très bien. Hein? Bouddha? Ah, Bouddha, ça... Bouddha, elle va bien, Bouddha. C'est juste qu'elle s'ennuyait de toi cette semaine. On t'a pas vu beaucoup dernièrement. Travaille fort. J'ai travaillé pas mal. Ouais. Ça
tournes pas mal beaucoup, hein, parce que d'habitude, tu trouves quand même le tour de venir coucher chez nous, tandis que là... Là, quoi? Clubber Slack, c'est quoi le maudit problème, Gab? Tu boudes, c'est ça? Ça va-tu toujours être de même? À chaque fois que quelque chose ne fera pas ton affaire, tu vas t'en aller, puis il va falloir que je vienne te supplier, c'est ça le problème? Je t'ai rien demandé. Je sais, c'est moi qui te demande de quoi. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de problème. Je suis dans mes affaires, t'es dans tes affaires, tout le monde est content. Ben, c'est ça. Là, t'es frustré parce que je t'ai pas laissé décorer mon appartement à ton goût, c'est ça? Mais fais-tu exprès pour pas comprendre? C'est pas ça pantoute. Je suis tannée de tes enfantillages. Si tu voulais pas qu'on aille habiter ensemble, t'avais juste à pas me le demander. Ah! OK, c'est juste ça le problème. Tu veux qu'on reste ensemble? Parfait. Fais tes valises, viens, on y va. Ouais, let's go. Ah, ben, ouais. Oui, c'est ça, hein? Tu dis ça parce que tu sais très bien que je le ferai pas. T'es bien bon pour parler quand tu risques rien, hein? L'autre fois, j'ai juste fait un peu de ménage chez vous. C'était déjà la panique. Tu te sentais envahi. T'es loin d'être assez mature pour qu'on aille rester ensemble, laisse-moi te dire ça. Puis, je suis pas sûre que tu vas l'être un jour. Parce que toi, serais-tu prête, toi? Non. Bon, ben, il est où le problème? Il y en a pas de problème. Tout est parfait. Hey, Burst, like, moi, j'en ai plein mon casse, garde. Là, si tu veux pas qu'on se parle, moi, je me ferais pas chier essayer, OK? Mais bouder, ça sert à rien, puis c'est pas tellement mature non plus. Ça m'a insulté la façon dont t'as réagi. Je les aurais jamais achetés sans t'en parler, tes maudites cochonneries. Tu me prends pour qui? Regarde, là, tu m'auras plus d'impact, là. Je suis pas de genre à m'imposer quand on veut pas de moi. Si tu veux me voir, tu viendras me voir ici. Non, regarde, commande, là. J'ai pas dit que je voulais plus que tu viennes chez nous. J'aime ça quand t'es là. Je me soigne toute la semaine. C'est vrai, ça, ou c'est encore une phrase que tu dis sans y penser? Non, je suis sérieux. L'autre fois aussi, j'étais sérieux. J'aimerais ça qu'on reste ensemble. C'est juste, Burst, là, faut que tu me laisses me faire réaliser, moi, tu sais. Habiter avec une fille, une maudite tête de cochon, c'est pas évident, là. Puis en plus, t'as le pire caractère que j'ai jamais vu de ma vie. Et t'as le tour de faire des compliments. Si tu veux. C'est ça qui fait mon charme. Et toi, là. Hey! C'est 13h30. C'est exactement ce que je disais, moi aussi. Bonjour, tout le monde! Bonjour! Et vous avez l'air de bonne humeur à matin, moi? Je suis d'excellente humeur. Puis la journée a commencé en beauté grâce à ton ami François Martineau. Ah? Je sais pas pourquoi j'ai pas fait faire ma salle de bain plus tôt. Moi, ça me simplifie tellement la vie. Excusez. Oui, clinique vétérinaire du Four, bonjour. Bonjour, madame Lalonde. Écoutez, c'est madame Dissalvio. Il faut absolument que je voie un médecin. Oui, madame, oui, mais parlez plus lentement, je vous comprends pas. Voyez-vous, c'est mon petit placé. Oui, mais amenez-le tout de suite, il va voir quelqu'un. C'est ça. À tout à l'heure, au revoir. Madame Di Salvio, son Placido va pas bien pantoute, puis elle est en panique. Mais toujours en panique. Ben, vous la calmerez, OK? Bon, moi, faut que je commence mes chirurgies. À tantôt. Non, tu peux pas me laisser tout seul avec elle, hein? C'est ta cliente. Ah, non, c'est autant la vôtre que la mienne. Écoute, c'est parce que toi, t'es tellement calme, tellement patient. Moi, j'ai pas le tour avec elle. Ben oui, mais à cette heure que vous avez votre deuxième salle de bain, là. Vous êtes rendu un homme transformé. Vous êtes rendu aussi patient que moi. De toute façon, il n'y a probablement rien de son chat. Bonne journée. Je les ai jetés. Quoi ça? Marilyn, les autres cossins. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que t'as raison, on les avait assez vus, tu sais. Tu dois avoir l'appart, il y en a plus grand. Bon, ça me dérange pas, je te l'ai dit, je vais plus chez vous. Bon, arrête donc de niaiser, hein. De toute façon, tu vas être obligé de revenir. Là. T'as laissé un paquet de linge chez nous. Tu me le rapporteras? Pas en tout. Si tu viens pas le chercher. Si tu viens pas le chercher, je le donne à Stéphanie. La bétonneuse? Mm-hmm. Mon linge, il fera jamais. Elle a ben trop un gros cul. Pas en tout. Il est super comme qui, son cul. Hein. Hey! Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis là! Oh, Madame Di Salvio, asseyez-vous, ce sera pas long. Mais je veux pas m'asseoir. Je vais voir le docteur tout de suite. Mon Placido, il souffre, il va mourir. Oh. Il faut le soigner tout de suite. Oui, mais le docteur Constantin, il est en consultation. J'ai téléphoné pour avertir. Je croyais qu'un docteur m'attendrait. Oui. J'ai pas dormi de la nuit. J'en peux plus. Je sais, écoutez, je suis certaine que ce sera pas long, mais calmez-vous, voyons. Mais comment voulez-vous que je me calme? Vous seriez calme, vous, si l'amour de votre vie était sur le point de mourir. Mais qu'est-ce qui se passe avec Placido? Je m'en veux tellement. C'est de ma faute. Mon Placido se laisse mourir depuis qu'Andrea est arrivée à la maison. Il ne me le pardonne pas. Ah, Andrea... Bocelli. Hein? Andrea Bocelli, mon nouveau chat.
Mon Placido est tellement déprimé. Il ne mange plus, il ne joue plus. Il est suicidaire. Oh. Oh. Merci beaucoup, madame, et à la prochaine. Oh, docteur Constantin, enfin, mon Placido se meurt. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a? Tentative de suicide. Il se laisse mourir. Ah oui, je le comprends. Oui, oui. Oh, tu vas être content, il y a des crotons. Hein? Julien, c'est mis au croton? Non, c'est moi. Ça fait une semaine que je peux aller chez vous, j'étais en manque. Oh là là! Quelle femme de goût, dis donc! Oh, tu me plais de plus en plus beauté, hein? Tiens, bédé, tu serais pas mis au ballonné par hasard non plus? Hein? Non, pas encore. Non, pas encore. Bon, c'est pas grave, ça va venir, beauté, ça va venir. Oh, oh, salut, salut! Allô? Allô? T'as dit quelque part un matin, toi? Ah, non, 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 nulle part. Ah. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez pas? Non, pas un matin. Ah, puis vous venez déjeuner là. Ouais. Ben, ça a l'air de ça, non? OK. Mon Dieu, veux-tu bien me dire pourquoi t'es maquillée de même? Oh, c'est pas beau. Ben, c'est... beaucoup. Beaucoup? Oh. Ben oui, mais quand tu tournes la vidéo, là, les filles qui jouent dedans, elles doivent être pas mal maquillées, non? Tu tournes la vidéo, toi? C'est la nouvelle façon d'enseigner la littérature. Tu veux pas participer au film de Nathalie? Oh, Nathalie a fait un film, et tu t'en es? Hey, Madeleine, Madeleine... Tu t'es pas laissé embarquer? Je me suis pas laissé embarquer. J'ai décidé que je l'aiderais pour son film. OK, elle fait un film, elle réalise. Je sais pas comment tu fais. Moi, je suis même pas capable de l'avoir en peinture. OK, c'est un film sans peinture? Bon, ben là, j'aime autant te le dire. Elle va arriver bientôt. Alors, si tu veux pas la voir, ben... Mais pourquoi tu pouvais pas faire ça chez vous? Hey, on tourne dans un parc pas loin. C'était plus pratique de se rencontrer ici. Je pensais pas que tu serais là. Mais ça donne que c'est chez nous. Oh, je le sais, Gabrielle. Je m'excuse. On va aller déjeuner en bas. Merci. Je te dis pas des farces. Depuis que t'as un chum, on est obligé de se donner des rendez-vous pour arriver à se voir. Oh, c'est pas à cause de Golden. Hey, je te dis que c'est pas mal plus d'ouvrages que je pensais dans les trois cours, hein. Je sens de la correction ou de la lecture à faire. Faut pas que je me laisse dépasser par les étudiants. Il y en a toujours un qui a lu la dernière théorie à la mode. Je me tiens à jour. T'aimes-tu ça, moi? J'adore ça. Mais j'aimerais peut-être ça aller travailler ailleurs, quitte à revenir enseigner plus tard. Après ça, mettre mes connaissances à l'épreuve. C'est bien beau la théorie, là, mais je pense que je serais meilleur prof si j'avais plus d'expérience pratique. C'est un peu comme si tu t'en allais enseigner le dessin de mode, mais que t'avais jamais dessiné un seul vrai modèle de ta vie. Ah, mais moi, je serais pas capable d'enseigner. Pas assez de patience pour ça. C'est vrai, ça. Alors que moi, je suis d'une patience exemplaire. Oh, puis modeste aussi. Aussi. Hey, j'aurais peut-être ça changer mes cheveux, les avoir plus courts. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me j'aurais l'air plus jeune. Pourquoi tu vas avoir l'air plus jeune? Parce que... pas drôle d'être prof, tu sais. Toujours moi la plus vieille fille dans la classe. Niaiseuse. Oh, mon merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. Qui ça, lui? Christophe, l'étudiant dont je t'ai parlé. Le collant? Oui. Il ne peut pas faire une jaunisse. Je lui donne que la nourriture que vous me vendez. Très chère, d'ailleurs. Et toujours quand je mange, il vient me voir, il me fait les yeux doux. Mais je résiste pour son bien, pour sa santé. Et vous me dites quoi? Que son foie est malade quand même? C'est impossible. Et en plus, depuis que j'ai fait l'erreur d'adopter Andrea Bocelli, il ne mange presque plus. Madame Di Salvio, son problème de foie est justement dû au fait qu'il mange plus. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais c'est comme ça. Votre Placido était un peu gras. Alors, quand il a arrêté de manger, son système est allé puiser dans les réserves de graisse pour aller chercher de l'énergie. Toute cette graisse-là est arrivée au foie pour être transformée, mais c'était trop en même temps. Le foie n'a pas pu fournir, alors il s'est engorgé. Et puis maintenant, voilà, il ne fonctionne plus du tout. C'est l'explication la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Moi, je dis que c'est votre cochonnerie de bouffe qui a empoisonné mon pauvre petit Placido. Écoutez, Madame Di Salvio, si vous voulez une seconde opinion, je peux vous référer au docteur Raymond en face. Hein. Vous allez voir lui ce qu'il va vous dire. Non, je ne veux pas aller ailleurs et payer un autre examen. Je veux voir le docteur Louis. Bon, je vais aller vous le chercher. Non, je ne veux pas que vous lui parliez avant. Je veux voir s'il va avoir le même diagnostic que vous. Je ne tolérerai pas que vous doutiez de mon honnêteté. Allez voir un autre vétérinaire, je ne chargerai même pas pour la consultation de Mais non, mais non, je m'excuse, docteur Constantin. Je ne voulais pas vous insulter, mais je suis inquiète. Et quand je suis inquiète, je m'énerve. Et quand je m'énerve, je dis n'importe quoi. Non, écoutez, pleurez pas, Madame Salvio. Ça se traite une lipidose hépatique. Mais je croyais qu'il faisait une jaunisse.
Mais oui, il fait une jaunisse à cause de la lipidose hépatique. Mais comment voulez-vous que je comprenne si vous changez les mots toujours? Mais je vais aller vous chercher le docteur Martineau, hein? Il va avoir plus le tour que moi de vous expliquer. Essayer de me retrouver les coordonnées de cet éleveur-là. Ouais. Pareil que c'est un de nos clients, mais moi, son nom me dit rien. Mais moi non plus. Non. Oh, docteur Constantin, est-ce que c'est vrai que le chat Di Salvio fait une dépression? C'est moi qui vais en faire une. Va la voir, Martino, parce que moi, je suis plus capable. Bon, qu'est-ce qu'il y a, son chat? Es-tu vraiment malade? Oui, malheureusement. Lipidose hépatique. Elle a adopté un nouveau chat. Son vieux chat ne l'a pas pris. Il a arrêté de manger, puis comme il était obèse, bingo. Non, c'est pas vrai. Quoi ça? C'est de ça qui est mort, son ancien chat. Ah oui, Pavarotti. Oui. C'est encore pire. Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui y parle? Parce qu'elle comprend rien. Et parce que je suis sûr qu'elle va me taper une crise d'hystérie quand je vais lui expliquer que pour sauver son chat, il va falloir lui percer un trou dans le flanc pour insérer un tube jusqu'à son estomac pour le nourrir de force jusqu'à ce qu'il soit capable de se nourrir tout seul. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Non, Madame Salvio. Vous vous rappelez votre Pavarotti? Vous avez pas voulu nous laisser, puis il est mort. Mais vous m'aviez dit qu'il risquait de mourir, même si vous l'opériez. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous le laisser. Oui, mais maintenant, les traitements sont différents, puis ils fonctionnent beaucoup mieux. Puis votre Placido est pas mal moins faible que Pavarotti l'était quand on l'a vu pour la première fois. Votre chat a d'excellentes chances de s'en sortir, à condition qu'on lui installe un tube gastrique. Non, vous, espèce de sadique! J'ai entendu comment vous parliez de mon Placido. Je veux que ce soit le docteur Louis qui s'en occupe, exclusivement. Parfait, parfait. Bon, il va falloir que j'aille lui installer son tube, et puis il va falloir qu'on le garde quelques jours aussi. Alors, je veux rester aussi, je veux pas qu'il se sente abandonné. Non, non, c'est pas une auberge ici, là. Mais je vais m'installer dans le bureau avec Placido. Je ne vous dérangerai pas. Non, non, c'est impossible, Madame Salvio. Le chenil est plein d'animaux hospitalisés, puis ils ne sentent pas délaissé du tout, du tout, du tout. Mais là, mon chat, il est différent, tellement sensible. Il ne pourrait pas aller mieux si je ne suis pas auprès de lui. Mais je suis sûr que oui. Mais je veux dire, il y a plusieurs propriétaires qui sont comme vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les animaux ont une faculté d'adaptation extraordinaire. Non. Laissez-nous-le, Madame Salvio. Vous pourrez venir vous le voir à tous les jours, si vous voulez. Bon! Mais au moins, mettez-lui ceci dans sa cage pour qu'il puisse sentir mon odeur. Oh, mes carillons. Ciao, mio. Grazie, bello, grazie. Ciao. C'est dommage, elle ne veut plus rien savoir de moi. Va falloir que je te laisse le corps. Vous avez fait exprès, je suis certain. Oh non, pas du tout. J'ai tout fait pour te l'éviter. J'ai même fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai essayé de la référer au docteur Raymond. Mais elle n'a pas voulu. Oh, ça, c'est dommage. Mais ça. Marie, c'est pas que je y aille. J'ai du travail. Je te supposais juste venir prendre le café. Non, non, tu restes jusqu'à ce que Gordon arrive. Hein. Je te dis que je n'y avais pas donné rendez-vous ici, je partirais avec toi. J'ai tout le temps l'impression qu'il me regarde. Il me regarde-tu, là? Non, elle a concentré sur son écran. Ça se fait qu'il est ici. Hey, tu penses-tu qu'il me suit? Ben non, c'est sûrement une coïncidence. C'est plein d'étudiants qui viennent ici. Ouais. Je sais pas. Hey, relax, hein? Il a pas l'air mais bien dangereux. Ouais, il a peut-être raison. Regarde, pense plus. Comment ça va avec Gordon? Hein? Gordon? Oh, ça va super bien. Hein? Tu sais toujours pas ce qu'il veut faire à la fin de son contrat. Mais non. Là, j'ose plus y en parler, là, parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, ça fait un froid. Fait que, hein, autant mieux laisser faire. Je t'ai connue, moi, le pissou. Oui, mais tu m'as jamais connue aussi amoureuse. Oui, c'est vrai. J'ai pas gâché le temps qu'on est ensemble. Oui. Ben, tu dois y penser tout le temps pareil, non? Ben oui. Ben, en tout cas, quand Gordon sera parti, tu pourras toujours te rabattre sur Christophe. Oh, il te regarde. Ben oui, mais là, tu me dis de tes pensées, puis c'est toi qui m'en parles. Puis se lève sans plus. Salut, Maryse. Excuse-moi de le déranger, mais j'ai vraiment trouvé le site fascinant. Le compte-rendu intégral du dernier... Bien, je te remercie, Christophe, mais je connais le site. Ben, je t'ai aussi noté l'adresse d'un forum de discussion. Merci, c'est gentil, là. Et tu me donneras ça au cours, hein? Ah oui, t'as raison. C'est pas vraiment le temps, t'es avec une amie. Ben oui. Salut. Moi, c'est Christophe. Je suis étudiant dans un des cours de Maryse. C'est le meilleur prof que j'ai jamais eu. J'en doute pas. Isabelle, voudrais-tu nous laisser deux petites minutes, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Je vais me chercher une au Perrier, tant que ça. Non, merci. Tu peux me parler seule à seule.
mon rêve. Mais tu rêveras pas très longtemps. J'ai peut-être pas été assez clair jusqu'à présent, mais là, je l'ai plus. T'es mon étudiant, je suis ton professeur, puis notre relation s'arrête là. Tu clair, ça? Je veux pas que te fréquenter en dehors du contexte académique. Ça fait que tu viens pas chez nous, tu m'abordes pas dans les endroits publics, puis tu viens encore bien moins t'asseoir à ma table quand je suis avec une amie puis que t'as pas été invitée. C'est-tu clair, ça? Ça va, Maryse. Non. Tu le sais que je veux pas te déranger. Je pensais que t'aimais ça avoir des relations autres qu'académiques avec tes étudiants. Tu restes avec Antoine, Renaud t'écrit des poèmes, André passe la nuit chez vous des fois. Pourquoi moi je pourrais pas? Hey, comment ça se fait, tu sais ça? Me surveilles-tu, coudonc? C'est pas bien difficile à savoir. Tu fais jaser pas mal à la faculté. Il y a un prof qui vient exprès d'Angleterre à cause de toi, puis toi, t'es en ménage à trois avec hey, deux... Hey, garde. Ma vie privée, là, ça te regarde pas, OK? Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, par exemple. C'est que toi, là, t'en feras jamais partie. C'est beau. Fâche-toi pas. Salut. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, laisse faire, toi. J'avais dit 10h30, t'es 11h passée. Maudit caméraman. Pourquoi tu me poses pas les questions en attendant? Mais non. Je veux pas que tu prépares tes réponses. Il faut que ce soit spontané. Oui, mais c'est parce que j'aimerais ça avoir l'air un petit peu intelligente aussi, tu sais. C'est pas évident, là, répondre à brûle pour point puis devant une caméra en plus. Oui, mais c'est pas génie en herbe, là. C'est des questions dont tu connais les réponses. C'est des questions sur ta vie. Tu me surestimes beaucoup, là. Je suis loin d'être assez sage pour avoir résolu toutes les questions de ma vie. Donc, donne-moi un exemple, juste un... Que je sache au moins à quoi m'attendre un peu, parce que là, je suis complètement dans le noir. OK! OK. Tiens, celle-là. Je te poserai pas, fait que je peux bien te dire. Quel genre de mère es-tu? Une chance que tu me la poses pas, parce que là, je... Je serais en peine de te répondre. Qu'est-ce que ça te donne de me demander ça? Ben, j'aurais posé la même question à Jacques, puis à Gabriel, puis à Julien, s'ils avaient voulu embarquer. Puis moi, j'aurais donné mon avis aussi sur le genre de mère que t'es. Puis ensuite, j'aurais juxtaposé les réponses. Ça aurait été super trippant de voir la différence entre ta perception puis celle des autres, là. Ah, ouais, je suis pas sûre de... Finalement, ce que tu veux faire, c'est mon procès? Pas en tout! Oh là là, paranoïque pas, je le savais que j'aurais pas dû te poser une question. C'est juste un exemple, là. Il y en a plein d'autres. Fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ton maquillage, là, il est super. Ah oui, tu trouves? Oui. Ah, ben. Puis Lien, es-tu correct? Ah, parce que tu vas être à l'écran avec moi. Ben, peut-être, je sais pas. C'est du cinéma vérité. Il y a un script, mais s'il y a quelque chose qui sort du script et qui me fait triper, moi, je le prends puis de la merde pour le reste, hein. Je joue ça à l'oreille. Le script, est-ce que je peux le voir? Non! Bon! Enfin! Il est temps! C'est ton heure de gloire! Ah ouais! Il a dit que tout le monde parlait de moi à faculté. He's just a jerk. Don't worry, forget him. Mais oui, c'est ça que j'arrête pas de dire depuis tantôt. He's just a jerk. Bon, ben maintenant que t'es arrivé, Gordon, je vais y aller. Hein, ils vont se demander ce qui se passe à la boutique. Merci beaucoup, Isabelle, d'être restée. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je ne l'ai jamais vue aussi fâchée. Mais là, mets-toi à ma place, me faire dire que je t'emménage à trois qu'Antoine puis André, franchement. Well, même moi, je me pose des questions parfois. Mais oui, moi aussi. Salut, à la prochaine. Bye. Bye-bye. Comment il peut savoir qu'André passe la nuit parfois chez toi? Et comment a-t-il trouvé ton adresse? I don't like it. Mais moi non plus. Je vais lui parler. Non. C'est pas nécessaire, là. Je pense que j'étais pas mal bête tantôt avec. Well, it can't hurt. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. Je me présente. Je suis Gordon Maxwell. Ouais, je te connais. Parfait. Je veux vous dire que je n'aime pas votre comportement face à Maryse. Vous l'embarrassez, et moi aussi. Ce que vous faites se rapproche dangereusement du harcèlement, et je suis certain qu'il y a des lois ici contre ce genre de comportement. Ne nous obligez pas à porter plainte. Sais-tu que t'exagères pas mal? J'ai juste prêté une revue pour faire des renseignements parce que je pensais que le sujet l'intéressait. J'ai rien fait de mal ni de déplacé. Et vous êtes ici dans le café par hasard, bien sûr. Parce que c'est un endroit public. J'ai pas à te demander la permission pour être là. Leave her alone. T'as peur de la compétition?
Vous n'êtes pas de la compétition. Salut, beauté. Tu travailles pas aujourd'hui, toi? Moi, ouais, je vais, là. J'ai un montage à finir pour demain, mais le studio était libre juste à partir de 5 heures. Mais je devrais finir de bonne heure. Ouais, ben, je vais aller faire l'épicerie, moi. As-tu des demandes spéciales? Il n'y a plus de crotons, puis François, il trouve que ça manque de ballonnés par ici. Toujours aussi raffiné. Dis-moi, as-tu des nouvelles de ta mère? Non, j'ai pas vu d'après-midi. Elle n'a pas laissé de message à rien? Rien? Ben, faut dire que je cherche pas à savoir comment ça se passe avec Nathalie, là. C'est son problème. Ah, ben, je suis quand même inquiet. Si tu veux savoir, moi aussi. On reprend du shampoing avec ça. Ouais, pas que je pourrais laver chez nous, c'est juste ça fait un moyen dégât, t'sais. En même temps, je pourrais peut-être en profiter pour y faire nettoyer les dents. Elle est bien fine, elle se laisse faire, c'est juste, j'ai pas le tour. Mais tu trouves pas que t'exagères un peu? Non, pas du tout. Non, c'est parce que moi, ma salle de bain est bien petite, par rapport à ça, j'en ai juste une. Hein? Pas comme chez vous, ça. Je suis content de vos installations, la douche coule pas, t'es parfait. Ah, oh, c'est parfait. Good, 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 good. Parce que moi, Pam, tu sais, quand je fais une job, là, la fait super bien. Là. Quand je fais un marché, moi, je respecte ma parole. Ben, moi aussi, j'ai juste une parole. C'est bon. Qu'est-ce que je fais, là? Je me rappelle plus. Je te donne l'escompte des éleveurs, François? Non. Moi, Pam, c'est l'escompte des vrais amis. Hein? Ça, c'est le prix du gros. Pas une scène de profit, ça c'est bon, pour la bouffe puis les produits. Parce que les soins, là, ça c'est gratos. Et tout ça, le deal, c'est bon pour les 10 prochaines années. Mais son ordinateur, moi je paye ça une fois de temps en temps. Ouais, faut que je paye les soins de Julius, moi. Mais c'est pas pareil, c'est parce que ça c'est une entente spéciale, ah. Genre d'échange de services. Ouais, ça fait 25 ans que j'en fais des échanges de services à la clinique, moi. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Ton mari est propriétaire, toi, puis tu payes. Bon, je voulais pas avoir de passe-droit. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Le fais-y sa facture, je vais aller chercher le shampoing. Hey, amenez-moi donc en même temps des vitamines. Je trouve qu'à le poil terne de ce temps-là. Comment t'as fait pour négocier ça, François? Mon charme, Pam. Oh, personne ne peut nous résister, rien d'autre. Hey, Dion! Hey! Bouddha a encore besoin de bouffe? Je t'en ai pas apporté la semaine passée, toi? Non, pas besoin de pantoute. Ah. Je venais vérifier les termes d'un contrat, c'est juste ça. Je voulais voir si Constantin était un homme de parole. Ah oui? Ouais. Je voudrais bien connaître les détails de cette entente-là, moi. Oui, moi aussi. Ah ouais? Oui. Facile, ça. Vous avez juste à m'inviter à souper. Je vous compte tout ça. Qu'est-ce que tu manges à soir, toi? Du pâté chinois. Pâté chinois. Mm. En plein scope. Hein? Good, je suis là chez vous dans une heure, moi. Puis demain soir, je m'en vais chez vous, Pam. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le docteur Dufour. Tiens, elle est ouverte, mais c'est le meilleur. Moi, c'est ouverte. Vous n'allez pas me passer votre vieux stock? Ben non, mais c'est pas du vieux stock. Là. Regarde la date. T'en as pour 6 mois là-dedans. Arrête donc de chialer. Ouais. Mes vitamines sont où? Ben, lis sur le sac, t'as tout ce qu'il faut là-dedans. OK. Pour moi, vous n'avez pas la même perception de l'entente, François. Laisse faire, toi, tu vas voir. Tu finis par me laisser tranquille. Va-t'en, je t'ai dit, c'est fini. Arrêtez de me filmer. Continue. Arrête surtout pas. Je comprends pas pourquoi tu veux pas reconnaître la vérité quand ta voix. C'est à cause de toi si je suis pas capable de faire confiance à personne. T'as pas arrêté de m'abandonner? De miner ma confiance en moi parce que tu préférais Gabrielle. J'aurais été mieux de pas avoir de mère, plutôt que d'en avoir une comme toi. Comment tu peux dire quelque chose d'aussi épouvantable? C'est monstrueux. Arrête de filmer. T'as effacé Jacques de ta vie. Si tu peux m'effacer, moi aussi, tu serais bien. Avoue-le donc. Ça te permettrait de faire comme si tu n'avais jamais fait l'erreur de laisser ton cher Julien. Surtout d'avoir eu un enfant avec le moron Jacques. Parce que c'est ça que tu penses de lui. Non, j'ai jamais... rien qu'un pauvre con. J'ai jamais pensé ça. Pour la dernière fois. Arrête de filmer ou je la ferme. Hey, c'est pas moi, cette caméra-là. Avoue-le donc, Madeleine. Avoue-le donc. Mais où, Benji? Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux qu'il arrête, Julien. Vous avez entendu, là? Dehors! Je dois arrêter de filmer, sans ça, je te fais avaler ta caméra morceau par morceau. Dehors! Ça fait, OK? Pensez-vous qu'il souffre beaucoup? Oh non, pas du tout. Je suis sûre qu'il est encore gelé. Oh. Et voilà, Madame Salvio. Oh. Il a l'air bien, hein? Vous trouvez pas? C'est quoi ce truc? Ah ben ça, c'est le tube par lequel vous allez pouvoir le nourrir. Le nourrir? Vous voulez dire que ça va aller directement dans son estomac? Oui, exactement. Vous allez voir, là, c'est une affaire de rien. Vous mettez de la nourriture dans une seringue comme celle-là, puis vous l'injectez. Je vais vous donner la recette de la bouffe tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très, très simple. Oh, oh mon Dieu, mais oui! Qu'est-ce que t'as fait? Madame Salvio, qui arrive à elle, là? Tiens le chat, Pam, tiens le chat. Oui, oui, oui. OK, passe-moi là, ici.
Madame Salvio, réveillez-vous. Madame Salvio. Salvio. Shit. Antoine? Pas pour souper, Antoine. Oui, allô, Gordon, c'est moi. Il est 7h30. Écoute, quand tu reviendras, peux-tu t'en venir ici, s'il te plaît? Non, chez Isabelle. Viens chez Isabelle, OK? Bye. Déjà tout ça, je t'ai jamais chargé mon temps pour Bouddha, moi. C'est, mais là, je suis sûr que je paierai jamais rien, tu sais. Toi, si tu meurs l'année prochaine, je fais quoi, moi? Alors là, je suis backé. Ouais. Mais j'espère que tu as posé l'eau chaude et l'eau frette à l'envers dans sa nouvelle salle de bain, Constantin. Es-tu malade, toi? Moi, je veux que la job elle soit parfaite, mon gars. Comme ça, il peut rien dire comme moi. Je l'ai dans ma poche. Chaque fois que je m'en vais à la clinique, toi, il va souffrir, mon gars. Il est obligé de dire oui à toutes mes demandes. Attention, François, si t'exagères, là, il va trouver une maladie incurable à Bouddha. Oh, il fera jamais ça. Ben non, de toute façon, je vais être là pour le surveiller. Puis, tu es fier de moi, Martino? Ouais. Hein? J'aimerais juste à trouver quelque chose pour Pamela. Ça n'a pas de bon sens qu'elle paye son chien. Hein? Je vais m'arranger avec ça, François, là. C'est sûr qu'elle ne paiera pas les traitements pour Julius. C'est la mascotte de la clinique. Ouais. Elle va peut-être aller pareil chez elle demain soir, ça. Je veux dire, c'est que j'aime tellement bien. Mm-hmm. Ça risque d'être bien, bien bon. Un petit peu meilleur qu'ici, hein? Dès que t'es pourri, Isabelle, ça n'a pas d'allure. Ça fait combien de fois, François, que je te dis que t'es pas obligé de manger ici? J'ai pas besoin de tes appréciations culinaires. Moi puis Louis, on se débrouillerait bien avec ce que je fais. Ça fait que si t'es pas content, tu peux t'en aller tout de suite. Non, regarde, je t'assis, là. T'as rien que je parle. Ça se mange, ton affaire. C'est juste que ça goûte... pas bon. Mais tiens, François, mets du ketchup et du sel en masse, là, si ça améliore le goût. Non! Tu quoi? On devrait t'appeler Thérèse, toi. Tu t'es plein d'un patate! Il me suit partout, Isabelle. Il était chez nous quand je suis arrivée. Quoi, dans la maison? Non, en bas, sur le trottoir. Mais qui, ça? Mais tu sais, là, Christophe, l'étudiant de Marie, qui a su partout. Il était chez vous? Il était au café Internet, il était chez nous. Il me surveille tout le temps. Là, Antoine n'était pas là, puis j'ai pas réussi à rejoindre Gordon, fait que je voulais pas rester tout seul à la maison. Mais t'as bien fait. Mon maniaque, là, il portait une espèce de côte vert avec des petits frisés. Oui? Ouais, mais je pense qu'il est là. C'est lui? Bon, là, on appelle la police. Non, oui. Franchement, là, de quoi j'aurais de l'air envoyer la police après de mes étudiants, là? Hé, garde, t'as le suivi à attendre qu'il te viole. On va aller régler son cas, c'est ça, ma frère. Non, garde, j'y ai parlé. Gordon, il a parlé, ça donne rien. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais essayer de rejoindre Marcel. Une bonne idée. Marcel, c'est qui, ça, Marcel? Marcel, son ex qui est dans la police, là. Le chauve, là? Ah, il est grand, c'est bon. Ça. Oui, il devrait y rendre une petite visite, ça y refroidirait les ardeurs. Faut-tu être marrant, toi, suivre une fille, comme ça? Surtout Marie. Moi, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'écœure plus que ça des gars de même dans la vie. Breslack? Ah, oh, c'est pas vrai. Martino, il n'y a plus de bière chez vous? François, t'as bu les deux dernières en arrivant. Ah! Oh. Pis, ton flic. Ben, je l'ai pas rejoint, puis j'ai plus le numéro chez lui, là. Oh. Ah, c'est demain. Garde, tu couches ici, OK? Si tu vois pas Gordon, là, je veux pas que tu t'en ailles chez vous tout seul. Martino, tu vas prendre la bière, hein? Viens avec moi, là. T'es capable d'aller tout seul, François? Voyons donc. Ah non, regarde, Martino, je peux pas chauffer mon truck, j'ai trop bu. Fait qu'ah ouais, viens m'aider, maudit fatigant. Ah ouais, on prend ton compte en c'est bien toi, ça, Dion. Tu parles juste à boire de la bière dans des moments pareils. Non, laisse-les faire, là. Moi aussi, j'en ai besoin d'une. T'as pas beaucoup mangé. Ouf, j'ai pas faim. J'ai pas de bonne compagnie ce soir. Je vais m'en aller chez nous. Non, t'es pas obligé d'être de bonne compagnie. Puis je veux pas que tu partes, je vais être inquiet, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Nathalie? Madame Etty? François, t'as envie de t'avoir. Oui, je parle. Madeleine? J'ai visionné ce qu'on a fait cet après-midi. C'était cœur. Il faut que tu me laisses m'en servir. Mais il n'y en a pas question. Je vais téléphoner à ton prof s'il faut. Tu dois avoir des cours d'éthique aussi. T'as pas le droit de l'utiliser sans ma permission. Tu peux pas faire ça. C'est super bon.
C'est vrai, c'est hard, ça décape. Les tripes à la table, ben c'est ça que je voulais. C'est du vrai cinéma vérité. Non, pas du tout. C'est un bel exercice de manipulation. Tu savais exactement ce que tu voulais, puis t'as tout fait pour y arriver. Pas tout. Oh, comment, Madeleine? Je suis sûre que je vais péter un score avec ça. Y'a pas un mot de chic qui te connaît dans ma classe. Mais qu'est-ce que ça peut faire? De quoi t'as l'air? T'es égocentrique, ça n'a pas de bon sens. Tu te fous de blesser tout le monde autour de toi d'abord que t'as ton petit bout de film à sensation. Et toi, mêle-toi pas de ça. T'as pas voulu embarquer, ben laisse-moi m'arranger avec ma mère. Bon, là, tu vas commencer par me parler poliment. T'es chez nous ici. Puis ce qui arrive à Madeleine, ça me regarde aussi. Tu t'en es crissé pendant 20 ans de ce qui arrivait. Continue donc encore un peu. Bon, là, Nathalie, c'est assez. Tu vas faire des excuses à Julien. Tu vas t'en aller. Non? Je m'en irai pas tant que t'auras pas signé ça. Je te laisserai pas. Saboter ma chance de prouver que j'ai du talent, c'est mon film! Ma petite fille, c'est toi-même qui le sabote ton film, ton talent. T'as des gros problèmes, Nathalie. Il faudrait que tu reçoives de l'aide. Je suis prête à t'aider à trouver un bon psychiatre. Quoi? S'il faut... Tu me traites de folle! Non, non, c'est pas... Mais c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as détruit pas une, mais deux familles. C'est toi qui es folle. Hey, là, ça va faire! C'est pas... Non! C'est ton dernier mot? Je vais faire comme d'habitude, hein, maman? Je vais m'arranger toute seule. Quelqu'un? Good. Moi, je vais parler. Oh, oui, rentre, ce matin. Vous savez pas le droit? Ferme ta gueule, tu poses ton cul. Et comme ça, t'es en manque de peau. Vous êtes qui, vous autres? Tout ce que t'as à savoir, c'est qu'on est les chums de Maryse, OK? Ouais, des bons chums à Maryse. C'est le genre de chum qui veut pas qu'il arrive quelque chose à cause d'être trop de cul comme toi. Hey! Quand tu sais de t'en aller, toi, tu poses ton cul, sinon tu vas avoir des gros problèmes, OK? Maryse, là, elle veut rien savoir de toi. Je sais pas ce que tu cherches, mais c'est pas à la suivre partout que tu vas arriver à quelque chose. Ouais. Surtout que si tu continues à suivre, là, ça va aller bien mal parce que ça marche mal avec des rotules pétées, tu sais. Ben voyons, penses-tu que tu me fais peur? Je suivais personne, puis j'ai le droit de me promener où je veux, quand je veux. Nous autres, là. On veut juste t'aider. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Maryse a beaucoup de chambres, puis lui, là, c'est un des moins violents. Non, tantôt, là, elle essayait de rejoindre un de ses ex qui a passé pas mal de temps dedans. Mais si lui te pogne, là, tu vas regretter de pas être déménagé au Burkina Faso, toi. Ben oui, c'est ça. Écoute bien, là, ce mat. Tu vas arrêter de faire le comique puis de baver avec nous autres parce que tu vas pouvoir te faire un collier que t'es dans, OK? Fait que là, à partir de maintenant, là, t'arrêtes de suivre Maryse. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair? Ça! C'est plus fort que moi. Quoi, ça? Suivre les filles? T'es un maniaque? Écoute, si t'as un trop plein d'hormones, je peux t'arranger ça, une belle petite castration, là, puis on n'en parle plus. J'ai tout ce qu'il faut en haut. Tu vas pouvoir les amener à la maison, mon gars, on va te les faire bouffer. C'est pas de ma faute, je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'est jamais arrivé avant, c'est juste... C'est juste elle. J'y pense tout le temps. Je le sais que c'est pas correct, mais il faut que je la voie, que je cherche ce qu'elle fait. T'es malade, t'es malade. J'essaie de penser à autre chose. Je suis pas fou, je le vois bien que j'ai aucune chance avec elle. À chaque fois que je prends une marche, je me retrouve en avant de chez elle. Je sais plus quoi faire. Il a peut-être été un petit peu trop fort. Mais voyons, j'ai quasiment pas touché à ce gars-là. Je sais, mais il braille, là. Ouais, je vois bien ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'était ton idée, ce François. Alors, écoute, ben, mon idée, en moi, c'est de t'approcher un petit peu pour t'y passer des Kleenex, si, franchement. Hey! Hey, c'est correct. Arrête de brailler, là. Regarde à quoi t'as l'air, là, franchement. Coudon, quel âge que t'as, toi? 18. 18. T'es couche aux fesses. Le petit garçon, y a-tu déjà eu une blablonde? Non, je le savais. Hey, Burslack. OK. Tu vas téléphoner là, là. Tu vas dire que c'est de la part de François, OK? Tu vas aller là, tu vas passer une belle petite veillée, puis tu vas oublier tous tes problèmes. J'ai pas besoin de ça. Tu fermes ta gueule, puis tu téléphones là, OK? Que tu téléphones ou non, là, nous autres, on s'en fout. Mais tu sacs la paix à Maryse. C'est-tu clair, ça? Ouais. Parce que sinon, la prochaine fois, mon pit, là, c'est le numéro de ma belle-mère, tu vas avoir besoin. Hein? Est-ce qu'elle est dentiste, ma belle-mère? Hein? Elle est dentiste, ma belle-mère, OK? Fait qu'on va, il se crame de là, et puis de voir, oh, il sort, sort de là! Sors de là, moi, tu sais! Sors, je te trouve, je t'arrache la tête! Pense-tu que ça va marcher? Mon gars, s'il téléphone à Stéphanie, il va passer une méchante veillée, il va oublier bien des affaires, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, là?
Alors, qu'est-ce qu'on fait, toi? On va acheter de la bière, ah oui. Yes, moi! Salvio, vous allez mieux? Ça va, j'ai un peu la migraine, mais oui, c'est tout. Bon. Comment va mon Placido? Mon dernière nouvelle, il allait très bien. Ah. Bonsoir, Madame Di Salvio. Bonsoir, docteur. Placido va bien? Oui, il a l'air très bien son tube. D'ailleurs, je pense que vous pourrez le ramener avec vous ce soir. Ce soir? Oui. Mais le docteur Louis avait dit 2 jours ici. Mais ça, c'était dans le pire des cas. Mais là, il va tellement bien. Que non. Je me sens pas prête mentalement à lui faire, vous savez, avec la seringue et tout. Mmh. Alors, il reste ici. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour qu'il soit confortable. Vous allez devoir lui donner une plus grande cage, par contre. Ah, oh, ben là, il n'aura pas besoin d'une plus grande cage. Vous allez le prendre avec vous. Vous allez le ramener dans le calme, dans une pièce fermée. Comme ça, l'autre chat ne pourra pas venir le déranger. Alors, voici son hamac. Et puis, j'ai apporté sa litière à lui, là, comme ça. Une photo de moi pour ne pas qu'il s'ennuie. Ainsi qu'un enregistrement de ma voix quand je lui parle et que je lui chante ses chansons préférées. Il aime beaucoup la musique. Oui, mais on peut pas mettre ça tout dans sa cage. Mais si, la grande cage du coin fera très bien l'affaire. Il y a un berger allemand dans cette cage-là. Vous le mettrez ailleurs. Voilà. Alors, vous installez tout ça et vous n'oubliez surtout pas de lui faire jouer ceci. Don't cry for me, mon Placido. La, 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 la. Et arrête. Je vais être complètement paf. Hop, ça aide pour... Chance que Gabrielle n'a pas vu ça. J'espère que tes voisins n'étaient pas chez eux. Je te dis, j'avais l'air d'une vraie hystérique à courir dans la rue avec le caméraman puis Nathalie en arrière de moi. C'était une vraie scène de film. Ben, tu vois, Nathalie a peut-être du talent pour la mise en scène, après tout. Oh, son principal talent, c'est de me faire de la peine. Oh, ça ne s'arrangera jamais entre Nathalie et moi. Jamais. C'est vrai que c'est une crise d'adolescence un peu plus difficile que la moyenne. Mais tu vas voir, le temps arrange bien des affaires. Alors, regarde Gabrielle. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu t'es améliorée au-delà de tout espoir. Ah, ben merci. Puis, madame, comment ça s'est pas... Oh! Mal, Gabrielle. Oh, plus mal que tout ce que tu peux imaginer. Tu fais une folle de moi. Nathalie, elle voulait juste régler ses comptes avec moi, puis elle n'a pas mis ses gants blancs. Plutôt des gants de boxe. Je te l'avais dit aussi. C'est une des phrases les plus chiantes, ça. Je comprends que tu grimpais des rideaux quand je te disais ça. Ce qui m'enrageait le plus, c'est que j'étais obligée d'admettre que tu avais tout le temps raison. Mmh. Oh, j'avais raison. Oui. Ouais. Quand tu m'interdisais de faire quelque chose puis que je faisais pareil, la plupart du temps, je me ramassais dans le trouble. Bon, tu m'écoutais pas plus la fois suivante. Mais non, j'ai une tête de cochon, oui. Comme toi. Moi puis Julien, on savait que ça finirait mal, cette histoire de film-là. Mais non. J'ai une tête de cochon. Enfin! Oh. C'est admis publiquement que le gène tête de cochon ne provient pas de moi! Yes! Oh mon Dieu! Il y a même trop de café dans ce cognac-là, hein? Oh non! Juste assez. Me permet d'oublier que j'ai encore fait une gaffe avec Nathalie. Pourquoi faut toujours que ça finisse de même? Merci, François. Alors, c'est correct, tu me remercies là dans le truc. Le banc arrière, il se baisse. Salut. Attention à toi. Attention à toi. Attention à vous autres. Ouais. Qu'est-ce que t'as à regarder demain? Je sais pas. Je découvre un autre homme. Je savais pas que je vivais avec un preux chevalier qui était prêt à défendre la veuve et l'orphelin. Rien, là. Quand tu m'avais arrivé, là. Hein, il a fondu. Oh, arrête, c'est moi qui vais fondre. Les femmes, hein, tout pareil, ça vous prend un héros, là. Puis toi, chanceuse, tu manges. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il me semblait que tu voulais plus venir chez. Ben, j'ai besoin de petites vacances loin des problèmes de Madeleine. Est-ce que... je peux rester ici ce soir? Ce soir, c'est parce que là, ça donne... ce soir, demain soir, puis toutes les soirs, si tu veux. La petite demoiselle en difficulté, c'est ma spécialité.